plaît, ça s'appelle comment ici? Lerné. Vous dites que c'est près du musée du Bon Laboureur. Je vois que vous avez des livres aussi. Oui, ça c'est ceux du musée, mais je les ai lus. Pour me documenter. Pour mieux expliquer aux autres, n'est-ce pas? Voilà. Vous, au moins, vous êtes un psychologue. Quoi? Quoi, vous avez entendu quelque chose, vous? Entendu quoi? Oh, mais faut pas vous inquiéter comme ça. S'ils vous ont dit qu'ils viendraient, ils vont venir, c'est sûr. Mais, et vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Non, je m'excuse d'être indiscret, mais je vois tellement peu de monde ici que je m'intéresse un petit peu à tout, forcément. C'est quoi votre métier à vous, alors? Moi, je suis... C'est-à-dire que je fais passer des tests, vous voyez? Ah, ouais? Mais des tests de... Des tests de... Des tests aux gens. Ah, oui. Mais ça sert à... Ça sert à déterminer le comportement des gens, leur goût, leur réaction, leur tendance dominante, voilà. Ah, et c'est compliqué à faire, ça? Non, c'est très simple. Dites-moi, vous dormez là aussi, alors? Oui, en attendant, mais... Que vous n'avez pas peur, la nuit, quand la lune vient éclairer tous ces personnages assis à cette table, ça doit être... Non, c'est surtout l'hiver qu'on gèle. Mais... J'aime bien, je suis culotté de demander ça, mais... Vous pouvez dire qu'avec mes tests, vous pouvez savoir comment je suis. Oui, et alors? Et alors, ça vous permettrait de me montrer, je suis culotté, comment vous faites? Vous voulez vraiment? Mais non, juste une fois, juste un petit bout, pour savoir comment vous procédez. Hein? Je vous embête. Très bien. Puisque vous le voulez. Je pourrais commencer par ce test. Le principe en est simple. Tenez, versez un peu d'encre sur cette feuille. Eh bien, allez-y. Ça va faire une tâche. Justement, allez-y. Et maintenant, pliez la feuille en deux. En sens que vous voudrez. Et maintenant, ouvrez, regardez et dites-moi ce que vous voyez. C'est raté. Pourquoi c'est raté? Ça fait une tâche. Mais cette tâche, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette tâche? Ça fait sale, c'est ça? Bien sûr que ça fait sale, c'est une tâche. Mais dans cette tâche, on peut reconnaître des choses connues. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette tâche? Ça vous rappelle bien quelque chose? Ça vous fait penser à quoi? Ça fait comme une grosse tache d'encre. Mais enfin, par exemple, là, ça vous rappelle pas l'accouplement de deux personnages? Oh, ben, vous alors? Ça y est? Non, ça, je peux pas essayer? Non, c'est pas la peine. Essayez plutôt avec ces cubes de constituer cette figure-là. Pourquoi vous avez eu envie de cultiver ces tomates? Oh, moi, c'est très simple. Ça a commencé avec un vieux d'ici, le père Chauvet, qui m'a apporté un sachet de graines. Oui, ça, je le sais. Ah, oui, c'est vrai, ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, bon. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est que ces graines, ça me trottait dans la tête. Je me demandais, après tant d'années, si elles étaient encore bonnes ou pas. Puis ça me travaillait, ça aurait. Et puis un beau jour, je me suis dit, si j'essayais. Et puis j'ai essayé. Et puis je ne le regrette pas. Donc, vous avez fait ça uniquement par curiosité? Par curiosité, si on veut, je voulais en avoir le cœur net.
Et alors, quand j'ai vu sortir sa terre, ben, mon vieux, tu me croiras pas, mais la première fois que j'ai vu ça, j'en avais les larmes aux yeux. Mais je les ai soignées, attention, hein. Et à force d'en prendre soin, ben, on s'attache, surtout que elles sont bonnes. Et c'est ça que j'aurais bien comprendre. Vous pouvez peut-être m'expliquer, vous qui êtes de la Sanne, comment ça se fait que la société d'alimentation nouvelle fabrique pas des tomates comme les miennes plutôt que celles que vous vendez et qui valent rien. Mais monsieur Blanchet, on vient de discuter de ça. C'est tout le problème, justement. Supposez que ces tomates sont en circulation avec leurs pépins. Ça voudrait dire que tout le monde prend en cultiver. N'importe où, n'importe comment. Et on viendrait au désordre qu'il y avait avant. Savez-vous, monsieur Blanchet, combien chacune de vos tomates contient une graine? Non, je n'ai jamais compté. Une centaine, monsieur Blanchet. Une centaine dont chacune peut produire un plant. Chaque plant produit, vous le savez, de 30 à 40 tomates. Regardez-les bien, monsieur Blanchet. Et rappelez-vous le danger qu'elles représentent. Je sais, et pourtant elles sont meilleures. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Elles sont meilleures. Vous répétez toujours la même chose, monsieur Blanchet. C'est vous qui dites qu'elles sont meilleures. Chaque jour, des millions et des millions de personnes consomment des tomates normales et sans problème. Qu'est-ce que ça veut dire meilleures? Mais c'est parce qu'elles n'ont pas mangé des comme ça. Bon, écoutez, on va pas recommencer. Soyez logique avec vous-même, monsieur Blanchet. Vous avez reconnu que ces tomates sont un danger. Il faut donc les détruire, c'est logique. Comment ça, les détruire? Je sais pas, moi, vous avez pas des outils? Et faites-moi un plaisir, mademoiselle. Goûtez-en au moins une. Mais non! Mais juste une! Monsieur Blanchet, je ne consommerai pas un produit non aseptisé. Mais vous craignez rien, moi j'en mange tous les jours, ça m'a jamais rien fait. Et puis je trouve dommage, mademoiselle, que une fois dans votre vie, vous ne connaissiez pas ce goût-là. Une fois dans votre vie, ce serait bête de rater cette occasion, et puis après on n'en parle plus. Promis? Promis. Très bien, monsieur Blanchet. Ah, la bonne heure. Je vais vous en choisir une. Faites comme moi. J'ai jamais tes tomates, Martin. Moi, penses-tu que je serais le premier touché? Toi, tu te sens malade, toi? Qui c'est qui était hospitalisé d'abord? Vous mettez rien sur le journal. Ouais. Ça va, des feuilles les plus anciennes qui sont là-bas, jusqu'aux plus récentes qui datent des années 80. Tu peux faire des photos? Allez-y, allez-y. On commence par le bas. Ce que vous voyez là est un exemple de culture ancienne par germination. Vous pouvez apercevoir, aux différentes couleurs des fruits, les différents stades de mûrissement. Ah, c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Très intéressant. Et c'est dur à entretenir? Ah, faut s'en occuper. Ça, en ce moment, faut les surveiller de près, sinon les bestioles, ils ont... Ah oui, j'aurais jamais cru qu'il fasse une saloperie pareille, celui-là. Qui ça? Voilà, le photographe. Celui-là, il n'a pas intérêt à mettre les pieds ici. Non, mais raconter des mensonges pareils avec ma photo, en plus. Ah, écoute, Martin, si c'est vrai qu'elle rend malade tes tomates. Ah, parce que toi aussi, il raconte n'importe quoi dans le journal. Mais si elle rendait malade, moi j'en mange tous les jours, je serais le premier touché, bon, sans réfléchir, enfin. Écoute, Martin, si les docteurs le disent... Oh, c'est pas mieux que les docteurs, quand même. Et puis d'abord, qu'est-ce qui prouve que c'est mes tomates? Qu'est-ce qui prouve que c'est mes tomates? Mais c'est dit dans le journal, en toutes lettres. Une des tomates en provenance du musée a été analysée. Elle contenait bien des bactéries phytopathogènes. Où c'est marqué, ça? Bah, dis-toi-même. Tiens, là, c'est marqué. C'est pas lui ça, moi. Enfin, comment ça peut être possible que ce soit mes tomates? J'en ai mangé. Vous aussi, vous avez mangé, vous n'êtes pas malade? Au village, il y a quelqu'un de malade? Pas encore. Si, Léon. Léon a la dysenterie? On ne sait pas encore, mais... Il faut que tu
comprennent, Martin. Si on prend pas les devants, ça va nous retomber sur le dos à tous. Tu comprends? Vous devriez être malade. Mais je le suis pas. Vous en êtes sûr, absolument sûr? Oui, j'en suis sûr. Bon, enfin. Entendons-nous bien, monsieur Blanchet. Vous êtes libre, je ne vous impose rien. Ces messieurs sont témoins que je ne vous impose rien. Si vous détruisez vos tomates, c'est de votre propre gré. Parce que vous avez compris que la situation est grave et que vous êtes convaincu que c'est la seule solution. Ok, vous m'avez bien compris. Oui, j'ai compris. Je voudrais que vous me laissiez faire ça tout seul. Allez-vous-en tous. Je veux pas que vous me regardiez faire, vous m'entendez? Allez-vous-en, je vous dis. Je le connais, il le fera pas si on reste. Il a dit, il le fera. Vous ne toucherez pas à M. Marguerite. Non, non, attendez, attendez, ne touchez pas. Elles sont contaminées, il faut que ce soit lui qui les arrache. Elles sont contaminées, mes tomates. Elles sont contaminées, mes tomates. Et ça, c'est contaminé. Ah, ils font peur maintenant, mes tomates, elles vous font peur. D'abord, qui c'est qui les a dit qu'elle était contaminée? Tiens, t'en veux une? Ah, on n'ose plus approcher maintenant. Ah ben, regardez voir s'il est contaminé. J'en mange. Et j'en mangerai encore. Est-ce que vous en avez vu, vous? Oui, j'en connais. Hein? Qui c'est? Où c'est qu'il habite? Vous voyez pas qu'il cherche à gagner du temps? N'essayez pas de changer de sujet, vous allez détruire au saloperie tout de suite, hein? Pourquoi est-ce que vous répondez pas? T'as fini de te foutre de notre gueule? Tu vas les arracher ou merde? Et plus vite que ça, hein? Non, mais... Allez! Allez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Touchez-les, voyons! Arrêtez, vous lui faites mal! Tu l'arraches, ces saloperies! Alors, tu veux te battre? Oh, bandit, va! Pourquoi vous avez fait ça? Vous voyez pas qu'il se fout de notre gueule? N'aviez pas besoin de faire ça! L'opération tout entière n'a duré que quelques minutes et s'est déroulée sans incident. À 10h30, tout était terminé. Les habitants de la région n'ont plus rien à craindre. Tout laisse penser que l'épidémie est circonscrite et disparaîtra dans peu de temps. Suite à cette affaire, décision a été prise par le ministère de fermer définitivement le musée du Bon Laboureur. À Amboise... Thank you.
Je vous demande excuse, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Quiem aeternam de la eis demire et lux perpetua luce ad eis. Tenet chet in Deus, Deus in cielo et tibi reditur vorum in Jerusalem.